Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 14, Leçon H. And in this lesson, we'll continue the series of uh, videos that will uh, concern the topic, les verbes et les prépositions, just because I've been receiving some quite positive feedback on that. So I thought that maybe we could continue. So it's the second part, and we'll discover uh, 10 or 11. Verbs, I'm not really sure about that, but anyway, uh, we've got some keywords that uh, I will use quite often when I will explain the structures that you can make with these verbs. So, the first one would be quelqu'un, someone, somebody, quelque chose, something, and then quelque part, somewhere, someplace. Okay, so they will be quite useful. And the first verb that we will see together is appartenir. Okay, so appartenir. And first structure that we can see with appartenir, you use the preposition à, and then appartenir à quelqu'un ou quelque chose, okay? Second structure, appartenir à quelqu'un, and then you will put the preposition de, and it should be followed by the verb at the infinitive form, okay? So appartenir à quelqu'un, appartenir à quelque chose, and then appartenir à quelqu'un de plus infinitif. D'accord Deuxième verbe, appeler. First structure, no preposition, appeler quelqu'un or then appeler quelque chose. OK Second structure, appeler quelqu'un, so no preposition, à and then you, put, you will put, sorry, the, the verb at the infinitive form. OK So, appeler quelqu'un, appeler quelque chose, appeler quelqu'un à plus infinitif. D'accord Verbe suivant apporter apporter quelque chose à quelqu'un. So you can see that you don't have any preposition first here, so apporter quelque chose à quelqu'un and then, same structure no preposition, apporter quelque chose à quelque chose. Alright, so let's see It one more time. Apporter quelque chose à quelqu'un. Apporter quelque chose à quelque chose. Apprendre. OK, so you can see that I've been putting two meanings. So I will explain to you actually which one is concerned. Uh, regarding the structure that we will use so the first structure would be apprendre quelque chose apprendre quelque chose in that case it will be connected to the meaning learn so the first meaning of apprendre to learn okay apprendre quelque chose no preposition second structure no preposition so apprendre quelque chose à quelqu'un so in that case this structure would be connected to the teach meaning Okay. Apprendre quelque chose à quelqu'un. Okay. Structure suivante apprendre quelque chose de quelqu'un. Okay. So in that case, this structure would be connected to the learn, meaning apprendre quelque chose de quelqu'un. Okay. Apprendre à plus infinitif. Okay. So the verb that you should put. after should be at the infinitive form so the basic form of the verb apprendre a plus infinitif, and then apprendre que plus indicatif be careful it's not because we're using this que that it should be followed by the subjunctive no 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 in that case you should put indicatif okay so let's see that one more time apprendre quelque chose okay connected to learn Apprendre quelque chose à quelqu'un, to, teach. Apprendre quelque chose de quelqu'un, learn. Apprendre à plus infinitif, learn. Apprendre que plus indicatif, learn. Okay? Verbe suivant, verbe arrangé. Première structure arranger quelqu'un, arranger quelque chose. So you can see that we don't have any preposition first, okay? So arranger quelqu'un, arranger quelque chose. Second option, we would have second structure arranger quelque chose à quelqu'un. D'accord Arranger, arranger quelqu'un, arranger quelque chose, arranger quelque chose à quelqu'un. Verbe suivant, verbe arrêter. Ok, arrêter means to stop. Première structure, pas de préposition, no preposition, so arrond... Oh, sorry, arrêter quelqu'un, then arrêter quelque chose. D'accord And then, arrêter de plus infinitif. So, the verb should be at the infinitive form here. Arrêter de plus infinitif. D'accord So, one more time, arrêter quelqu'un. Arrêter quelque chose. Arrêter de plus verbe à l'infinitif. Arriver. So I've been uh, putting all the meanings, not possible, but uh, connected to the structures that we will see. Okay, and the first uh, two structures will actually be connected to this arrive uh, translation. Okay, arriver. quelque part pas de préposition de no preposition or in that case sorry about that yeah you should put the dans a ou en all right so and all the the, the well composition that you can make uh, with the, the, the articles okay so it could be dans la dans le dans les then a à la and then a plus le would become au a plus les would become au en etc so quelque part and in that case of course you should use this preposition or then it could be arrivé de quelque part okay and same thing here so you could have this de de la du remember du it's when you combine the preposition de with the article le okay and then de you combine the preposition de with the article le okay so arriver, arriver quelque part, so with these prepositions, and then arriver de quelque part, so de, de la, du and des. Arriver, so actually we can translate that with happen, okay, and in that case, uh, arriver quelque chose à quelqu'un, okay, so you can see no preposition, arriver quelque chose à quelqu'un arriver à quelqu'un de and in that case the verb that comes after should be at the infinitive form okay arriver à quelqu'un de okay and then arriver que and the verb should be at the subjonctif okay arriver que plus subjonctif all right so one more time arriver quelque chose à quelqu'un arriver à quelqu'un de plus verbe à l'infinitif arriver que plus verbe au subjonctif and the last meaning would be manage or succeed it's actually quite simple only one structure connected to this meaning and it's arriver à plus verbe à l'infinitif okay so arriver à plus infinitif Let's see now the verb attendre. Attendre, and then same thing. So it could be uh, the first meaning would be to wait. Okay, but then we've got this expect meaning as well. So we'll see that right after. But then now it's only connected to wait. First structure, Ari, uh, sorry, attendre quelqu'un or quelque chose. Okay, so you can see no preposition here. Attendre quelqu'un, attendre quelque chose. Or then second structure, attendre quelqu'un. Or quelque chose pour ok and then the verb should be at the infinitive form attendre quelqu'un ou quelque chose pour plus infinitif attendre de plus verbe à l'infinitif ok and the last one attendre que plus verbe au subjonctif ok so be careful The verb should be at the subjonctif. OK, so one more time. Attendre quelqu'un, attendre quelque chose. Attendre quelqu'un, quelque chose pour, plus verbe à l'infinitif. Attendre de, plus verbe à l'infinitif. Attendre que, plus verbe au subjonctif. OK, and then it can mean as well uh, expect. and then in that case the structure is attendre quelque chose de quelqu'un attendre quelque chose de quelqu'un okay and in that case the meaning would be to expect and that's it if you want more videos then youtube.com/imagier slash like me on facebook i will be so happy and then if you want more material then www.imagier.net have a great day bye bye